l'impression d'être une autre personne. J'essaie vraiment de camoufler ma frange. Je sais pas si cette fois-ci ce sera la bonne et que je vais réussir à la faire pousser. J'ai tellement essayé genre 40 fois de faire pousser ma frange et j'y suis jamais parvenue. Est-ce que je doute toujours? Je sais pas en fait. J'aime bien la frange, mais en même temps j'ai envie. En même temps j'ai aussi envie de retrouver un peu la liberté d'être sans frange et mon visage avant d'avoir une frange. Mais bon, bref, on verra si j'y arrive ou pas cette fois-ci. C'est un peu complexe, bref. Aujourd'hui nous sommes dimanche. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas passé un dimanche chez moi, du matin au soir. Parce qu'en fait souvent le dimanche, enfin même systématiquement le dimanche, on mange avec notre famille le midi. Et du coup bah, ça fait qu'on n'est pas chez nous le dimanche en fait. Et c'est toujours des bons moments qu'on passe là-bas. Enfin, moi j'aime beaucoup aller voir notre famille le dimanche et tout. Mais du coup aujourd'hui c'est pas fait. Et du coup on est chez nous ce dimanche. Et ça fait tout drôle parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça. Et du coup je retrouve vraiment des sensations de quand j'étais plus jeune et que c'était le dimanche et que je sentais vraiment que c'était la veille de la reprise, la veille d'une nouvelle semaine. Et du coup il y avait une atmosphère très particulière le dimanche. Et je la retrouve vraiment aujourd'hui, donc c'est agréable parce que c'est très. Enfin, en tout cas aujourd'hui c'est très calme et apaisé. Je me sens apaisée là, donc ça fait du bien. C'est cool. Ouais, ça fait du bien d'avoir un vrai dimanche off chez moi. Où je peux prendre le temps de me reposer et de préparer ma nouvelle semaine un petit peu. Je sais pas, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas ressenti cette atmosphère de. Je sais pas, je ressens vraiment le business, en tout cas cette journée de dimanche, comme un moment de répit un peu à part. On a mangé en regardant Superstore, c'est une belle série qu'on regarde en ce moment. Une sitcom, hein. Moi j'adore les sitcoms. Et on a terminé Parks and Recreation en janvier, je crois, et c'est ma sitcom préférée de tous les temps. C'est par les créateurs de The Office, et si vous avez aimé The Office, je vous conseille Parks and Recreation. Moi, je préfère Parks and Recreation à The Office. Je pensais pas pouvoir dire ça un jour, parce que j'ai vraiment adoré The Office. Après, c'est quand même très différent, mais c'est dans le même esprit. Et j'ai trouvé cette série incroyable, hyper bien faite. Elle m'a vraiment touchée, les personnages m'ont touchée, leur parcours m'ont touchée, et j'ai adoré cette série. Et du coup, on l'a terminée en janvier et ça m'a fait tellement mal au cœur. Franchement, j'ai l'impression que j'ai dû. C'est un peu comme une rupture, quoi. J'ai eu tellement mal au cœur quand ça s'est terminé. J'y repensais plusieurs jours après avoir terminé la série. Je me disais, oh, j'aurais tellement aimé que ça continue. Mais en fait, cette série, pour moi, elle est parfaite. Enfin, il y a la première saison qui est moins bien que les suivantes parce que la première saison, ils savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire et c'est au fur et à mesure qu'ils se sont appropriés en fait le style et la série et qu'ils ont écrit vraiment une série intéressante. Mais pour moi cette série elle est parfaite, la fin elle est parfaite, enfin, c'est rare de parvenir à bien réussir la fin d'une série, surtout une sitcom où en fait ça peut durer assez éternellement, tu vois. C'est bien de savoir quand s'arrêter et comment s'arrêter, et là ils l'ont vraiment hyper bien fait, enfin bref. Du coup on a terminé cette série et ça m'a fait tellement mal au cœur, vraiment j'ai dû m'en remettre et encore aujourd'hui je m'en remets pas. Ah mon dieu, c'était vraiment une bonne série. Ensuite on a regardé Kimmy Schmidt. J'ai mis un peu de temps à me mettre dedans. Et puis après je suis rentrée complètement dedans parce qu'il y a un peu un esprit comédie musicale, très lyrique et tout. Enfin très lyrique, très comédie musicale quoi. Et que j'aime beaucoup. Un côté un peu théâtral et tout. Et puis les personnages sont assez attachants et tout. Les particuliers, ils ont quand même leur singularité et tout. J'ai vraiment aimé cette série et ça s'est terminé hyper vite. Et là j'étais en mode mais... Moi je suis quelqu'un qui m'investit beaucoup dans ce que je regarde et du coup c'était beaucoup trop court pour moi, j'avais mis du temps à rentrer dedans, je commençais vraiment à m'attacher au personnage et tout, à l'histoire, et puis en fait c'est terminé. Et j'étais en mode non, pas une deuxième rupture, j'ai déjà eu une rupture avec Parks and Recreation et maintenant une rupture avec Kimmy Schmidt. Bref, ma vie est palpitante, mais du coup voilà, maintenant on a commencé Superstore. Et pour l'instant j'aime bien, c'est sympa. Enfin bref, du coup on a regardé Superstore
en mangeant tranquillement. Puis ensuite, je me suis douchée. Palpitant. J'ai pris une bonne douche, je me suis lavé les cheveux, parce que vraiment là, c'était plus possible. Et voilà, du coup, on va commencer la semaine avec des cheveux propres. C'est bien. Ça fait du bien. Les petits trucs qui font du bien au quotidien. Et puis maintenant, ce que je voulais faire, du coup, avant de recommencer à jouer à Animal Crossing et de terminer ma journée tranquillement, je voulais m'occuper un peu de l'appart pour la nouvelle semaine. Du coup, j'essaie de faire un ménage général une fois par semaine, en sachant que tous les jours on nettoie, parce que tous les jours on salit la cuisine. Puis parfois il y a des trucs dans la salle de bain. Moi j'aime bien nettoyer un peu tous les jours, mais j'aime bien aussi quand même essayer de faire un grand ménage, enfin un ménage général dans la semaine. Du coup là j'ai nettoyé la salle de bain et j'aimerais bien nettoyer la cuisine un peu. Voilà, on a passé l'aspirateur hier, donc c'est pas fait aujourd'hui, mais voilà, j'aimerais bien nettoyer la cuisine. Et puis ensuite, dernière étape avant de passer ma fin de soirée tranquille, j'aimerais bien écrire un peu sur mon carnet un aperçu de ce que je veux pour ma semaine, pour me donner un peu un horizon de ce que je veux et de ce que j'aimerais accomplir cette semaine. Et puis comme ça, ce sera un peu hors de ma tête et du coup, j'aurai pas besoin de me répéter ça constamment dans ma tête jusqu'à ce qu'on arrive à demain matin, parce que moi je suis comme ça, hein, concrètement, la veille d'une journée, je pense à tout ce que je dois faire pour le lendemain, et ça, c'est en boucle constamment dans ma tête. Et je sais que l'écrire sur mon carnet, ça va pas faire disparaître ça, mais ça va m'aider à me dire c'est bon, c'est écrit, je peux un peu lâcher prise sur tout ça dans ma tête, je sais que ça va continuer, mais ce sera un peu mieux. Donc voilà, j'aimerais bien écrire un petit peu un horizon pour ma semaine. Et puis voilà, en plus il y a des petites choses assez excitantes qui vont venir au cours du mois de mars. J'ai été pas mal inspirée ces derniers jours et voilà, j'ai trop hâte. Je pense que il va y avoir des petits trucs sympas, bref. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Mais voilà. C'est très apaisant. Il fait beau en plus. Il fait très beau. Non, c'est bon, hein? Ok. Ok. Ouh. Ok. Matériel. Je vous ai. Il y a Polly qui est très curieuse là-bas. Je vous assure que ça pèse son petit poids. Franchement, ça se voit que c'est des trucs de qualité, mais en même temps, il faut, parce que c'est un truc qui bouge et qui est censé pouvoir se régler à hauteur. Voilà, donc Polly, tu vas pas rester là, je pense. Bref, moi, il va falloir que je lise tout ça. Ça n'a pas l'air très long, mais bon, après, ça veut rien dire. Je pense que ça va quand même prendre un petit temps. Après, on verra si mon copain viendra m'aider ou pas. Bref. Je vais essayer de le faire moi-même. Nous sommes actuellement lundi, le lendemain. Aujourd'hui, j'ai été prise d'une flemme intersidérale. Enfin, ouais, je sais pas, j'étais vraiment pas dans le mood de travailler ce matin, mais bon, j'ai quand même travaillé. Dans ces moments-là, quand j'ai pas trop la motivation, j'essaie de m'attaquer aux tâches qui me font le plus plaisir
parce que c'est toujours du travail, au moins ça fait que je travaille, que j'avance dans ce que j'ai à faire. Certes, je m'occupe des choses qui me font plus plaisir et que forcément il y a des tâches qui sont un peu moins chouettes que je ne réalise pas encore, mais j'essaie d'accorder mes activités avec comment je me sens. Parfois c'est pas possible, mais quand c'est possible, j'essaie d'adapter les activités avec comment je me sens quoi. Bref, du coup ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé, j'avais commencé rapidement hier. C'est hier que j'ai fait ça? Après le dimanche, j'ai fait dimanche et j'ai fait ça. Ou alors c'était vendredi, je sais plus, bref. J'avais commencé globalement à faire une illustration pour le fond d'écran Patreon du mois de février. Et du coup j'ai continué ce matin, j'ai terminé ce matin. Du coup je me suis occupée de ça ce matin, donc c'est bien parce qu'en plus je l'aime beaucoup et je pense que je vais peut-être en faire une impression. Puisqu'il y aura une update de ma boutique au mois de mars parce que j'ai eu des nouvelles idées et tout et voilà, du coup je fais vraiment en fonction de mes idées. Si j'ai pas d'inspiration et tout, je fais pas forcément d'update, mais là j'ai trop d'idées pour ma boutique et du coup il y aura forcément des nouveautés au cours du mois de mars. Bref, là j'ai reçu deux gros colis assez imposants et du coup ça tombe bien que ce soit arrivé aujourd'hui parce que comme je ne suis pas dans un mode travail habituel, ben je vais pouvoir travailler sur ce bureau et essayer de l'assembler. Et ouais, je vais pouvoir vous en parler un peu plus. Je suis à deux doigts de couper ma frange parce que c'est insupportable de laisser pousser une frange. C'est pour ça que je ne suis jamais parvenue dans le passé à faire pousser ma frange. C'est parce que c'est insupportable surtout au tout début quand tu as encore des mèches qui sont ultra courtes. Donc voilà, ceci explique cela. C'est pour ça que je porte mon béret. Je sais pas, j'ai vraiment envie de la recouper, ça me saoule. Je vais essayer de dispatcher les différents éléments. On va voir, parce qu'en fait ce bureau, c'est un bureau que tu peux utiliser debout, enfin c'est un bureau réglable en fait, la hauteur est réglable. Et bah, je vais vous en parler tout à l'heure plus en détail, mais c'est un bureau qui m'a été envoyé par une compagnie qui s'appelle FlexiSpot. Vous la connaissez sûrement si vous suivez d'autres illustrateurs et d'autres illustratrices dans le monde. Moi je suis plein d'illustrateurs et illustratrices. J'ai vu qu'ils avaient ce bureau qui me faisait très envie parce que comme vous le savez, je vous en parle depuis plusieurs mois maintenant, mais j'ai vraiment envie de me construire un environnement de travail ergonomique et optimisé et constitué de manière à ce qu'il soit constitué de bons matériaux, de bon matériel, de bonnes fournitures qui permettent de travailler dans de bonnes conditions parce que c'est ultra important. Et du coup je suis trop contente d'avoir été contactée pour recevoir ce bureau parce qu'il me faisait tellement envie et voilà, ça rentre parfaitement dans ma démarche, donc j'ai trop hâte de découvrir ça. Par contre là, il va falloir que je le monte, on va voir. Je n'ai pas une grande expérience avec le fait de monter des meubles. Il va peut-être falloir que je m'y mette à mon âge. Donc voilà, on va faire ça tout de suite. Ok, fixé les supports latéraux. Thank you.
Aujourd'hui, nous sommes mardi, je crois. Mon Dieu, je sais même pas, je crois qu'on est mardi. Ouais, je crois. Si, on est mardi. Et ce matin, je vais aller dans le 12e arrondissement. Je vais aller à Le Drurolin pour passer au Emmaüs. C'est ma boutique Emmaüs préférée à Paris. Elle est pas très grande, mais c'est là où je trouve le plus de choses. Donc, bref, j'aimerais bien trouver quelque chose de déco, peut-être des cadres. Enfin bref, des trucs pour mon atelier en fait. Et aussi, j'aimerais bien passer à Maison du Monde. Si je le trouve, parce que la dernière fois je l'ai pas trouvé, j'ai pas compris pourquoi. Donc voilà, objectif, trouver un peu de déco et de trucs que je peux utiliser pour mon atelier, parce que là j'ai mon nouveau bureau et du coup j'ai envie d'aménager un petit coin sympa, enfin bref, on va voir. Puis en même temps c'est mon endroit, un de mes endroits préférés dans Paris, peut-être le préféré, je sais pas, c'est comme ça, j'ai un attachement à ce quartier. Et du coup je vais sortir, il fait beau, ça va me faire du bien de passer les matinées dehors. Et puis cet après-midi, je vais préparer plein de commandes. J'ai plein de commandes à préparer, donc c'est ce qui est prévu pour aujourd'hui. Donc voilà, on va aller prendre le bus. Et on va aller à Le Drurolin. Et voici ma tenue, mes New Balance, une combi en velours noir. Mon grand manteau d'enfant que j'ai depuis, enfin que j'avais trouvé chez mes parents. Et que je ne quitte plus depuis, ça devait être un truc à un de mes frères quand ils étaient petits, depuis je ne le quitte plus. Je sais pas si on va voir la matière, c'est une sorte de velours un peu marron foncé. Mon écharpe, parce qu'il fait pas encore non plus très chaud ce matin, il fait un peu plus frais, et puis mon pull bordeaux. Et j'ai trouvé un peu une autre manière de styliser mes franges, enfin ma frange qui pousse, j'avais oublié qu'en fait je pouvais juste mettre ma frange sur le côté. Donc voilà, pour l'instant on va mettre la frange comme ça. Et puis voilà, en avant Guingamp. C'est parti, je suis rentrée de ma sortie matinale dans le 12e arrondissement. J'ai trouvé pas mal de petits trucs pour l'atelier, donc c'est cool. Voilà, ça m'arrive rarement de dépenser un peu d'argent comme ça pour ma maison, ou pour mon atelier, ou pour moi. Mais là, j'ai vraiment envie de, comme je vous ai dit, de me concocter un vrai espace de travail agréable et dans lequel je peux travailler efficacement sans que ce soit trop pénible au niveau de ma posture, par exemple, notamment avec mon nouveau bureau. Je suis trop contente. Donc là, pour le coup, c'est pas forcément lié avec le confort. Mes achats ne sont pas liés avec le fait de m'apporter un confort dans mon travail, si ce n'est un confort esthétique. Mais voilà, c'est cool. Du coup, j'ai trouvé des petits trucs pour décorer un peu mon atelier, des trucs comme ça. Alors, j'ai trouvé, je vais ouvrir le sachet, je suis allée à la boutique Emmaüs dont je vous avais parlé. Elle était vraiment vide, je pense qu'ils sont en train de refaire le stock ou je sais pas quoi. Du coup, c'était bon. Il n'y avait pas grand chose, honnêtement. J'ai trouvé trois petits cadres comme ça qui sont vraiment très simples. Et je me dis que je vais sûrement les peindre. Parce que là, c'est genre du bois et c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau de l'esthétique. Mais si je les peins et tout, je pense que ça pourrait être sympa. Voilà, c'est vraiment des petits cadres. Je pense que c'est pour du A6. Le format, mais voilà, du coup trois petits cadres, ça fait l'affaire. Et j'en ai pris deux autres parce qu'en fait ils acceptaient la carte qu'à partir de 5€, du coup j'en ai pris deux autres qui sont à peu près la même taille, je crois que c'est genre du A5, A6 aussi. Ils sont, bon, ils sont bleus, moi je prévois aussi de les repeindre, donc voilà, ça me fait 5 petits cadres, j'aurais bien aimé en trouver de différentes tailles. Mais il n'y avait que ça, donc c'est déjà bien. Parce que je trouve que ça rend bien aussi quand les choses sont encadrées. Donc voilà, 5 petits cadres et puis je vais tous les peindre. Et je pense que ça sera sympa une fois que ce sera terminé. Donc voilà, ça c'est pour la boutique Emmaüs. Il n'y avait vraiment pas grand chose comme je vous ai dit. Parce que je pense qu'ils sont vraiment en train de refaire un peu tout le stock. Ce que j'ai trouvé ensuite, c'est je suis allée à Sostrengren. Alors c'est vraiment un magasin qui m'a pas mal déçue au fur et à mesure du temps et que je
Voilà, j'essaie de faire attention quand j'y vais parce que je pense que c'est des choses qui sont pas forcément faites de manière très éthique. J'en sais rien, hein, mais je pense parce que. Bon, je sais pas. Bref. En tout cas, au fur et à mesure du temps, depuis que j'ai découvert ce magasin, je suis pas forcément fan parce que je trouve que parfois c'est un peu cher pour ce que c'est. Et puis parfois, c'est pas des trucs qui sont non plus de qualité folle, hein, on va pas se mentir. Mais là, j'ai trouvé deux tapis. Enfin, vraiment, aujourd'hui, j'ai trouvé pas mal de choses là-bas. Et du coup, bon, j'étais surprise, donc je me suis dit, allez, laissons-nous tenter. Donc, j'ai trouvé un premier petit tapis que je vais mettre dans mon atelier. En fait, ici, il faut vraiment qu'on ait des tapis parce que le parquet est un peu abîmé. Donc, bref, un premier tapis blanc et cru, un peu comme ça. J'en ai trouvé un autre. C'est un tapis en jute. Je pense que c'est la même dimension, mais voilà, un autre petit tapis en jute. J'espère que j'ai pris le bon, je crois. Donc voilà, ça me fait deux tapis, je vais vous montrer tout à l'heure. Enfin, de toute manière, je vais vous montrer comment je vais aménager un peu les choses. Je sais pas si je vais changer grand chose, mais c'est surtout l'espace qui est derrière moi que j'ai envie d'aménager parce que jusque-là il n'y avait rien et maintenant que j'ai reçu mon nouveau bureau et tout, je vais pouvoir en faire un petit coin sympa. Donc voilà, deux tapis. Ensuite j'ai pris des toiles sur lesquelles peindre parce que j'ai déjà utilisé leurs toiles et je les trouve plutôt bien. Et ça fait longtemps que j'ai pas peint, donc j'ai vraiment envie de repeindre, notamment parce que j'ai envie de vous reproposer quelques petites peintures sur ma boutique. Du coup j'ai pris des petits formats. J'ai fait tomber. J'ai pris des mini formats comme ça en carré et c'est en toile pour peindre. Et du coup, je pense que je vais peindre. J'en ai pris plusieurs, j'en ai pris 4 pour faire deux premiers essais. Et du coup, voilà, j'aimerais bien peindre dessus. Et j'ai aussi pris un autre format. J'ai aussi pris un format un peu plus grand. Voilà, donc ça, c'est pour ma boutique, éventuellement dans un futur proche. J'aimerais bien reproposer des petites peintures comme ça. Donc j'ai trop hâte de pouvoir repeindre, ça fait vraiment longtemps. Il me tarde de peindre. Donc voilà, bon, ça c'est vraiment des petits trucs comme ça, juste pour la peinture. Et ils avaient un truc comme ça en. Ah, par contre, je déteste la matière qui est en dessous. Ah, c'est la matière, ça me donne des frissons. Bref, c'est une petite coupelle comme ça où on peut mettre de la peinture et j'en ai pas, donc c'est très pratique. Et puis là, elle est vraiment. C'est pas du plastique. Je sais pas dans quoi c'est fait d'ailleurs, pas marqué, mais c'est pas du plastique. Donc ça m'intéresse fortement. Donc voilà, je l'ai vu et depuis le temps que j'en cherchais, je me suis dit je vais le prendre. Donc voilà, dans la même continuité que les autres trucs pour peindre. Et ensuite, c'est des petits trucs. J'ai pris deux rouleaux de masking tape, je sais pas où est-ce qu'ils les font faire, mais j'en avais besoin, donc j'en ai pris. J'ai pris une petite. Ce que j'aime bien à ce string grain, c'est qu'ils ont souvent des petits échantillons comme ça de tissu. Et moi j'aime beaucoup en acheter là-bas parce que du coup ça me permet notamment pour mes photos sur la boutique. Voilà, ça me permet d'avoir des petites scènes entre guillemets pour pouvoir prendre des photos. Enfin voilà, c'est des petits trucs comme ça qui peuvent être plutôt jolis et qui peuvent aider à rendre un petit peu les photos plus sympas. Et puis au-delà de ça, moi j'aime bien les petits trucs de tissu comme ça. Donc bref, j'ai pris un petit truc de tissu comme ça que je mets sur mon bureau là-bas et je m'en servirai pour des photos et tout ça. Voilà. Et puis, ensuite, j'ai pris des petites pinces comme ça. Parce que j'en cherchais et en fait ça va me servir à faire des expérimentations parce que j'aimerais bien faire mes propres bloc-notes. Donc voilà, c'est pour ça fait partie d'un de mes projets pour ma boutique là au cours du mois de mars, c'est de faire mes propres bloc-notes. Et du coup j'avais besoin de pinces comme ça, donc bref, j'en ai pris deux tailles différentes. Ceux-là ils sont vraiment petits, je sais pas si on verra bien. Mais voilà, faut que je fasse des essais, je vais essayer de voir si c'est faisable ou pas. Je pense que c'est faisable, je pense que je peux le faire. Donc bref, j'espère que. Enfin, j'ai hâte de pouvoir essayer de faire mes propres bloc-notes. Mais du coup, voilà, très pratique. Comme j'en cherchais, j'en ai acheté. Puis après, je crois que c'est tout. J'ai pris un peu de fil comme ça en jute, parce que ça peut toujours servir pareil pour emballer les commandes, ce genre de choses. Puis après, j'ai pris un.
J'ai acheté un grand sac bleu comme ça. Parce que pourquoi pas. Donc bref, en fait, il n'y a pas tant de choses que ça. Je suis vraiment contente, surtout pour mes tapis et puis les cadres. Je voulais trouver un cadre pour mettre ma nouvelle illustration que vous avez vue là. J'ai fait un essai ce matin, je l'ai imprimé. Et j'aimerais bien trouver un cadre, parce que je pense que ça rendrait vachement bien encadré. Voilà, c'était un petit haul comme ça, pour le plaisir. Et puis ben après, faut que je travaille. Là, vraiment, j'ai beaucoup de travail. J'ai plein de commandes à préparer et il faut que j'envoie mes enveloppes Patreon aussi. Donc bref, j'ai beaucoup de travail là. Il faut que je m'y mette. Voilà. Tadam! Mon nouveau coin. Bon, pour l'instant, j'ai mis des trucs dessus, mais ça va changer. Il faut encore que je fasse toute la déco, je pense, de par ici, sur le mur et tout. J'aimerais bien trouver un cadre, comme je vous ai dit, pour cette illustration-ci. Ça, c'est une illustration de Violette Imagine que j'adore. Et j'aime vraiment énormément son travail. Et les couleurs de ses illustrations et tout sont vraiment magnifiques. Donc, voilà un petit peu le bureau. Et alors, vous allez voir, ce qui est génial avec ce bureau, c'est qu'en fait on peut ajuster la hauteur. Ça peut aller vraiment 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 très très haut, et puis ça peut aussi aller assez bas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le fait de pouvoir travailler debout, ou voilà, de pouvoir ajuster la hauteur pour travailler. Enfin bref, je vais vous montrer un petit peu. Du coup, là, va falloir que je trouve une nouvelle chaise de bureau, parce que pour ce bureau, ça va être intéressant d'avoir une chaise qui puisse... une vraie chaise de bureau déjà, parce que ça, c'est une vieille chaise qu'on avait trouvée dans la rue, qui est pas mal hein, mais bon, elle est pas en meilleure forme, enfin elle est pas dans sa meilleure forme, et puis c'est pas une chaise de bureau non plus quoi, c'est pas très confortable. Donc bref, il va falloir que j'investisse dans une chaise de bureau ajustable et confortable, et aussi parce que du coup là, mon bureau qui est ici, y a pas de chaise là. Il va falloir que j'alterne entre cette chaise là et cette chaise là. J'aimerais bien quand même avoir une chaise des deux côtés. J'aimerais bien trouver une autre lampe. Enfin bref, c'est des choses qui vont se faire au fur et à mesure. J'imagine que ce sera un coin pour préparer les commandes, parce que la table est hyper grande, donc ça peut être intéressant. Ou alors un coin aussi création. Je sais pas. On va voir ce que je vais faire sur ce grand bureau. Je pense que je vais pouvoir faire pas mal de choses. Aussi du montage, parce que c'est plus les éloigner de la fenêtre. Du coup, c'est mieux pour... travailler sur un écran, le fait d'être dans un coin où il y a moins de lumière. Puis bref, on va voir. Je vais vous montrer un petit peu à quel point c'est trop bien de pouvoir ajuster la hauteur. Et alors ici, on a le premier tapis. Ça, en fait, ça va être un sac que je pense utiliser pour mettre mes commandes une fois qu'elles sont terminées, et pour pouvoir les emmener à la poste ensuite. Ça va me faire un petit sac de poste, on va dire. Et en fait, ensuite, il y a ce tapis que je pensais qu'il était beaucoup plus grand, enfin un peu plus grand, mais non. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà. Hop. C'est incroyable. Là, je l'ai bien monté, comme vous pouvez le constater. Et juste à cliquer là. Oh, il est trop chou. Donc là, je l'ai mis à peu près à une hauteur de bureau. Et si j'ai envie de travailler debout, juste à... Je me suis relevée ici. J'aime trop ce bureau. Il est hyper large, ce qui fait que c'est très pratique par rapport à mon autre bureau là-bas. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Mais lui, il est beaucoup, beaucoup moins large quand même. Donc, bref, là, ça va être vraiment bien pour préparer les commandes et tout. Puis ça, franchement, je trouve ça génial, quoi. Mon dos va remercier ce bureau.
ever it's early twilight, I'll watch till a star breaks through. Well, funny, it's not a star I see, it's always you. Whenever I roam through roses, and lately I often do. Well, funny, it's not a rose I touch, it's always you. If a breeze caresses me, it's merely you strolling by. If I hear a melody, it's merely the way you sigh. Wherever you are, you're near me, and dare me to untrue. Funny, each time I fall in love, it's always you. On s'est levé tôt, on s'est levé à 6h du matin, enfin un peu plus tôt que ça, mais on va dire 6h du matin. D'habitude, on se lève vers 7h15, parfois 8h. Et là, ce matin, on s'est levé à 6h parce que, je sais pas, je pense qu'on avait plus envie de dormir. On s'est couché un peu plus tôt, peut-être hier, c'est peut-être ça aussi qui fait que. Mais voilà, j'aime bien les matins comme ça où on se lève tôt parce que du coup, ça permet d'apprécier
plus la matinée et t'as l'impression vraiment de pouvoir profiter d'un moment à toi avant de commencer de travailler et c'est vraiment agréable. Ce que je suis en train de faire là, c'est que je suis en train de dessiner un design pour faire des bloc-notes. Je vous ai dit que j'aimerais bien faire mes propres bloc-notes, mais bon, avant de décider de les faire moi-même, je vais d'abord faire un essai. Donc j'aimerais bien le faire aujourd'hui, j'aimerais bien faire un essai aujourd'hui et demain, on verra. Donc voilà, ce matin je suis en train de dessiner le design. Je sais pas si c'est compliqué ou pas, ça m'a pas l'air si compliqué que ça. Je pense que c'est surtout que ça prend du temps. Et voilà, donc c'est ça qui pèsera le pour et le contre. J'ai pas trouvé non plus de fournisseur qui faisait des bloc-notes. Donc peut-être que je fais mal mes recherches, mais bon. Dans tous les cas, je préfère généralement faire les choses moi-même. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça que je préfère faire les choses, même si ça me prend plus de temps. C'est un travail que j'aime faire et je trouve ça chouette de proposer des choses que j'ai faites moi-même et voilà. Donc voilà, je vais essayer de faire mes propres bloc-notes. On verra si ça fonctionne ou pas. J'espère que ça va fonctionner. C'est vrai que ça risque de prendre pas mal de temps, mais on va voir. Et aussi, il faut que je termine les envois Patreon. Hier, j'avais terminé mes commandes. J'ai terminé toutes mes commandes. Et après mes commandes, je me suis occupée des enveloppes Patreon. Donc j'ai imprimé tout ce qu'il me fallait. Et j'ai commencé à emballer chaque petit truc. Parce que j'ai vraiment envie de faire un bel emballage, donc je me suis vraiment appliquée plutôt. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter hier parce qu'il était genre 19h, donc ça faisait un peu tard pour continuer de travailler. Et je me suis dit que je terminerais aujourd'hui de les emballer et j'irai les envoyer tout à l'heure à la poste. Puis aussi parce que je voulais vous montrer, je voulais prendre une photo et puis hier il faisait nuit quoi, donc je me suis dit arrêtons là, on va reprendre ça demain. Voilà, et puis aussi ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est filmer mon podcast Patreon du mois de février. Je le poste toujours au début du mois qui suit. Donc voilà, j'aimerais bien filmer mon podcast aujourd'hui et peut-être le poster demain. Parce qu'il faut que je fasse le montage aussi. Donc bref, aujourd'hui trois choses que j'ai envie de faire. Terminer mes envois Patreon, ce sera rapide. M'occuper de mon bloc-notes, essayer de faire mon bloc-notes. Donc d'abord terminer le design et ensuite faire un premier essai pour voir si c'est faisable ou pas. Et troisième chose, filmer mon podcast et éventuellement, si j'ai le temps, le monter et publier. Mais bon, on verra bien. Donc voilà ce qui est prévu pour aujourd'hui. J'ai attendu que ça sèche et j'ai retiré les pinces que j'utilise pour maintenir les feuilles ensemble pour coller la bande ici. Donc bref, j'ai attendu, j'ai retiré toutes les pinces et ça fonctionne. Donc je suis trop contente. C'est trop trop chou. Après je pense que je ferai un petit design pour l'emballage, genre un petit encart cartonné un peu pour décorer un peu, pour faire un voyage. Bon, il faut que je réfléchisse à ça. Mais en tout cas, c'est trop bien. Je peux faire mes propres bloc-notes. Donc, c'est trop bien. Et en fait, un autre projet dont je suis trop contente et dont j'ai trop hâte, c'est que je suis aussi en train de faire mes propres carnets. Donc voilà un petit peu le design que j'ai créé pour ce carnet. Et j'aime trop, en fait. J'aime trop... ce que ça rend, quoi, ce que ça donne. En plus, ça irait bien avec le petit bloc-notes. Après, là, c'est les premiers prototypes, en fait, donc c'est possible que ça change un peu. Et du coup, voilà, je suis en train de faire mes propres carnets, donc c'est trop, trop excitant, franchement, de travailler sur des nouveaux produits, comme ça, sur des nouvelles créations que je fais moi-même. C'est vraiment des trucs que je préfère, et je pense que c'est pour ça aussi que j'aime... Enfin, que je préfère faire les choses moi-même et pas forcément faire recours à des fournisseurs. C'est parce que j'adore faire les choses moi-même. Et du coup, je suis en train de faire mes propres carnets.
Alors en fait, je pense que je vais choisir des feuilles blanches parce que j'aimerais bien que ce soit un petit carnet de croquis de genre 40 ou 48 pages. Et du coup, je me suis dit que finalement, je préférerais faire des pages blanches plutôt que des pages à points parce que j'aimerais vraiment faire un carnet de croquis, comme je vous ai dit, que vous puissiez dessiner dedans et tout. Et du coup, je suis trop excitée par ce projet. Faut encore que je réfléchisse à si j'opère de cette manière ou pas. En fait, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai utilisé un fil comme ça, d'une pelote, que j'ai utilisé en fait pour assembler les pages ensemble et pour faire un carnet quoi. Et du coup, voilà ce que ça rend. J'aime trop, c'est un carnet A5. Et voilà, faut encore que je réfléchisse au niveau du fil, si je garde ça, cette manière de faire, ou si j'essaie de faire un truc un peu plus, je sais pas, peut-être changer de fil et prendre plutôt un fil comme ça, peut-être un peu plus résistant, je sais pas, faut que je réfléchisse. En tout cas, je suis trop contente de créer de nouvelles choses comme ça. Bon voilà, je me demande si je fais une petite box comme ça, ce serait peut-être la solution. Si je choisis de faire en précommande. Et si je choisis de ne pas faire en précommande, dans ce cas, je ferai un petit stock et je ferai peut-être pas une box. Et alors, si je fais une box, ce serait quoi le tarif? Faudrait pas que ce soit trop élevé parce qu'il y a que 4 créations et puis j'ai envie que ce soit abordable quand même. Peut-être, j'en sais pas. Je sais pas du tout au niveau du tarif. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Faudrait que je réfléchisse à tout ça. Mais bref, je fais vraiment ce podcast pour discuter avec vous de ce que vous en pensez de tout ça. Ça va vous faire plein de choses à écrire en commentaire. Je suis désolée. Enfin voilà, vous n'êtes pas obligé. Si vous souhaitez participer à ce projet, vous pouvez. Et ce serait vraiment superbe de ma part d'avoir un peu de retour de votre part. Mais ne vous sentez pas obligé. Hein, ça, voilà. Donc voilà, c'est tout ce à quoi je pense. Est-ce que je fais une box? Est-ce que je fais pas de box? Est-ce que je fais en précommande? Est-ce que je fais un stock limité? J'ai pas repris la caméra et je pense que je vais pas vraiment la reprendre. Parce que c'est compliqué là pour moi de filmer. Je suis dans un moment d'inspiration ultime et j'aime trop ce que je fais actuellement. À l'heure où vous verrez ce studio vlog, vous aurez déjà appris la nouvelle, mais je suis en train de travailler actuellement sur un nouveau projet. J'hésitais encore à propos de ce que j'allais faire, je crois que je vous l'avais dit. Ce matin, j'ai fait mon podcast Patreon ce matin, je l'ai monté. La vidéo est prête là, donc je vais la poster cet après-midi, en fin d'après-midi. Et depuis que j'ai terminé mon podcast, dans lequel je pose plein de questions à ma communauté pour savoir ce qu'ils en pensent et tout, je sais ce que je veux et je sais ce que je vais faire. Donc voilà, ce qui est prévu, c'est que je vais faire une box pour ce mois de mars avec plusieurs créations. Donc il y aura un carnet, un ou deux bloc-notes, deux marque-pages et une illustration au format A5. Et je vais la proposer en précommande vendredi, je pense. Mais voilà, en fait, j'avais plein d'idées, j'avais déjà des créations de fêtes et tout, mais je savais pas comment les assembler, comment faire. Et c'est bon, je sais ce que je vais faire. Et du coup, là, je suis en train de travailler là-dessus. J'ai plein d'idées et tout. Enfin, bref, je suis trop contente, j'aime trop ce que je fais. Et je suis trop contente de ce projet. La première création que je vous partage de cette boîte, c'est mon petit bloc-notes du coup que j'ai créé moi-même et qui est composé de 40 pages. Franchement, il est assez grand, je trouve, par rapport à ma main. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà à quoi il ressemble. Ça a vraiment un... Vous allez voir qu'il y a vraiment une thématique dans cette boîte. Les créations se ressemblent au niveau du thème et c'est ce que je voulais aussi, une harmonisation du côté de ces créations. Donc voilà la première création, le petit bloc-notes. Ensuite, il y a cette illustration dont je vous parlais, que je vous ai partagée sur Instagram il n'y a pas si longtemps que ça. Notamment parce qu'en fait, c'était une illustration que j'avais créée pour Patreon. Et je l'aime tellement que j'ai décidé de l'intégrer dans cette box aussi parce que je trouve qu'elle va vraiment bien avec les autres créations. Donc voilà, ça c'est vraiment, je trouve, des... comment dire? Une nouvelle exploration en fait. Depuis peu, enfin depuis janvier en fait, j'explore un petit peu plus dans un champ différent au niveau de mes créations. Et cette illustration, elle fait vraiment partie de cette démarche-là. Et
C'est différent de ce que j'ai fait jusque-lors, mais j'aime vraiment beaucoup en fait, ça fait du bien. Donc voici les deux marque-pages que j'ai créés pour cette petite boîte. Donc il y a un premier marque-page qui est sur le même motif que le carnet, vous allez découvrir dans un instant. Ils sont assez grands mine de rien et j'ai utilisé le même papier que j'utilise pour la couverture du carnet, qui est un papier mat 310 grammes que j'aime énormément. J'adore le rendu de ce papier et je trouve que ça fonctionne tellement bien en fait. Donc voilà mes deux marque-pages, j'aime vraiment celui-ci là, je suis trop contente. Hop. Et enfin, la dernière création, celle qui m'a le plus dont j'ai le plus rêvé, on va dire, c'est mon carnet que j'ai créé et qui est au format A5, composé de 48 pages blanches. Et ici, en fait, j'ai ajouté une toile de jute, un fil de jute, en fait. J'en ai parlé avec ma communauté Patreon et beaucoup m'ont dit qu'ils trouvaient l'idée trop chouette et que ça donnerait un petit côté champêtre au carnet. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, donc c'est un carnet qui est assez fin et c'est vraiment un petit carnet de croquis. En fait, j'ai vraiment envie que vous puissiez réaliser vos croquis comme ça à la va-vite, librement dans ce carnet. Et je voulais qu'il soit assez accessible et fin pour pouvoir le caser partout. Donc voilà, et j'adore le motif. Franchement, je suis tellement contente d'avoir fait... Je suis tellement contente de ces créations, en fait, genre... Donc, vous aurez compris, cette boîte, elle est composée de 5 créations. Un carnet à 5, un bloc-notes, une illustration à 5 et 2 marque-pages. Et comme vous pouvez le constater, c'est vraiment des créations qui sont ancrées dans une même thématique et qui vont ensemble, en fait. Et voilà, je suis trop contente. Je voulais faire quelque chose comme ça, une petite capsule dans une boîte qui va ensemble et qui fait vraiment plaisir à voir et à avoir auprès de soi. Et ce carnet pour dessiner, je le trouve trop bien. Enfin, moi, quand je le vois, ça m'inspire tellement j'ai tellement envie de dessiner dedans que je me suis dit que ce serait vraiment un bon motif pour mettre sur ce carnet. Et voilà, je suis trop contente.